Lily, reviens! Lily Rose! Oh, c'est pas possible! Non, mais tu l'as vu, toi, le serpent ou pas? Ah, non, pas encore. Non, mais ça tombe, elle raconte n'importe quoi. Bon, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, j'ai pris la caméra d'un coup parce que Lily Rose, elle s'est mise à crier dans sa chambre. Lily Rose, reviens! Non, mais on est dans le nord de la France, il n'y a pas de serpent. De toute façon, en France, il n'y a pas de serpent, il n'y a que des couleuvres. Enfin, c'est quoi ce truc? Bon, vas-y, je vais aller voir dans la chambre quand même, on sait jamais. Ouais. Ça tombe, il y a vraiment un serpent. Lily Rose, apparemment, a vu un serpent dans sa chambre, elle s'est enfuie en courant. Bon, allez, de toute façon, au pire, j'appelle les chats. Ouais, ouais. Et les chats, ils vont chasser le serpent. Bon, est-ce qu'il y a un serpent ici? Petit serpent. Ah, c'est quoi ça? Ah, mais il y a vraiment un serpent. Oh, c'est quoi ça? Non, 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 faut que je m'enfuis. Ah, j'avoue, je bouge. Il y a vraiment un serpent énorme. Il est énorme. Quelle taille? Il est énorme, mais comme ça. Il fait au moins 1m50, il était enroulé sur lui-même. Oh, les amis, je pensais qu'elle mentait, je pensais qu'elle me faisait une blague, mais... Attends, attends, bouge de là, bouge de là, je vais aller voir Peppa Pink. Peppa Pink, il y a un serpent. Oh, mais stop, arrête la sieste là. Qu'est-ce qui se passe? On a besoin de toi. Il y a un serpent dans la chambre de Lily Rose. Oh, un serpent, il n'y a pas de serpent ici. Mais si, il y a un serpent. Comment ça, un serpent? Bah ici, allez, viens, dépêche-toi. Bon, au pire, attends, attends. Maintenant, c'est au tour de Valentin d'y aller. Oh, mon tour? Oui, oui, allez. Attends, mais qu'est-ce que je dois faire? Tiens, prends ça. C'est une cage? Oui, oui, bah on va dire que c'est une cage, ok? Ok, bon, laisse-moi faire, recul. Vas-y, vas-y, vas-y. T'as déjà chassé un serpent? Ferme la porte, ferme la porte. Il est où? Ferme la porte, ferme la porte. Franchement, non, mais sérieux? J'ai vu, c'était un vrai... Chut, chut. Valentin, ça va? Valentin! Valentin! Je l'entends tomber partout. Non, mais il est en train de se battre avec le cerf. Chut, chut. Tu t'es fait mordre? Il s'est fait mordre, vite! Ah, c'est bon, il a réussi à l'enfermer! Non, mais regarde! Il a réussi à l'enfermer! Ah, il tombe par terre! Ça va? Ah, il m'a mordu! Oh là là, non! C'est bizarre, il bouge plus là! Regardez les amis, il est dans la cage! C'est peut-être parce qu'il a mordu Valentin aussi! Oui, attends, montre! Ah, mais la t'as une morsure de serpent, on voit les deux points! Oh, je me sens pas bien, je commence à être malade! Non, mais Peppa Pink, les serpents, ça... Oh là 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 là. Non, les amis, pour ceux qui savent pas, les serpents quand ils vous mordent, bah ça donne une espèce de... C'est ce qu'on appelle un venin, c'est comme une sorte de poison. Mais là il faut qu'on aille voir le médecin directement. Et Lily Rose, ça va, elle s'est pas fait mordre, j'espère? Bah, je l'ai pas vue, elle est où au fait? Bah oui, bah elle s'est enfuie de la chambre. Elle était tranquillement dans son lit et elle m'a dit le serpent il est sorti de sous mon lit. Il était comme ça là que... Bon, ah ouais, bah non, Valentin... Non, en vrai, je faisais la sieste, moi. Oula, ça va? Non, mais ça a pas l'air d'aller. Bon, écoute, appelle le médecin et dis-lui de venir ici. Parce que là, Valentin, il va pas avoir la... Ah, bah, il bouge plus. Il est par terre, là, il bouge plus. Valentin? Ouais, bon. Écoutez, les amis, on va reprendre la vidéo une fois que le médecin est arrivé. J'espère qu'il va s'en sortir parce que là, c'est catastrophique. Petit serpent de malheur! 5 minutes pour sauver Valentin, parce que sinon dans 5 minutes le poison du serpent va faire effet et ça sera fini pour lui, il pourra plus bouger, il va rester paralysé. Ah bah monsieur, vite, dépêchez-vous. Voilà. Ah, enfin. Ouais, Stéphane. Docteur Foufou, vous êtes là? Bah oui, ça fait 3 fois que tu m'appelles cette semaine. Je vais vite fait vous expliquer. Qu'est-ce que tu as? On a vraiment pas le temps là. Bon allez, rentrez dans la maison. Là on a vraiment pas le temps. C'est une urgence absolue. En gros, Valentin là, notre cousin relou, il s'est fait mordre par un serpent. Alors on sait. Alors venez, je vais vous expliquer. Bon, il faudra pas l'inquiéter parce pas possible. Que là il est en train de pleurer, il est ultra inquiet, faudra pas l'inquiéter. Mais il s'est fait mordre par un serpent, on sait pas de où il vient, sauf que là j'ai regardé sur internet, c'est très grave, c'est un serpent très venimeux. C'est oula. Moi, Valentin, j'ai déjà vu des vers de terre, mais Valentin, ça va? Mais c'est quoi cette bête? Eh oui, bah regardez, c'est un serpent, regardez. C'est un serpent chien. Bah j'en ai déjà vu des serpents comme ça, c'était dans... Il y a très longtemps, mais... C'est un serpent chien à collier, ça s'appelle. J'ai regardé sur internet, on a 5 minutes après la morsure pour réagir, faut donner un antidote, faut donner un médicament pour le sauver. Bah regardez, Valentin, tu bouges ou pas? Oui, là, bon. Je bouge pas comme d'habitude, hein. T'as encore mal? Oui, bon, écoutez. Oui, il a été mordu. On va éloigner un peu le serpent parce que là, ça. Allez, où, cela? Bon, j'ai ramené mes médicaments. Dans mes souvenirs, c'était au poignet. Ah, voilà. Oui. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça.
Bon, écoute, Valentin. Non, mais fais un effort. Je sais que t'as été mordu, mais on peut pas t'aider. Allez. Oh, 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 oh. C'est quoi ça? Allez, regardez, regardez-moi ça. Là, il y a une belle morsure. Vous avez ramené un antidote? Oui, j'ai ramené un antidote. Bon, c'est à base de bave. À base de bave? Base de crapaud. C'est la sorcière. J'espère que ça va marcher parce que là, vous êtes notre seule chance. Si dans 3-4 minutes, il est pas soigné, là, ça va être fini pour lui. Il va rester bloqué comme ça à vie. Oula. Vous êtes sûr? Ah, regarde, ça s'en va. Vous êtes sûr que ça marche? Bah, normalement, oui, attends, faut. Bon, attends, regarde, regarde. Ah, oui, bon, vas-y, ouvre ta bouche. Ferme les yeux. Valentin, ouvre ta bouche. Allez, glou, glou, glou. Ouvre ta bouche. Glou, glou. Oh non, mais là, il avale. Oula, 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 oula. Il avale rien aussi, là. Ça va pas marcher. Attends. Ça va pas marcher. Vas-y, comme c'est à l'heure, non? Oui, oui, non, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Bon, écoutez, les amis, on a toujours pas retrouvé Lily Rose. J'espère que elle, de son côté, ça va et qu'elle a pas été mordue, parce que sinon, c'est une catastrophe totale. Bon. Vas-y, lève-toi et marche. Vous avez entendu? Comment ça? Ah ouais, j'ai entendu un truc bouger. Ouais, moi aussi. Valentin, c'est toi qui... Ah, ça va mieux. Le serpent! Le serpent, il a disparu! Il était dans la cage! Il était dans la cage! Il est où? Il s'est enfui! Le serpent! Oh non, Valentin! Il est où? Il est dans l'escalier! Il est là-bas, vite, fermez la porte! Ah, Valentin, ça va, tu vas mieux? Tu vas mieux? Bon, au moins tu bouges maintenant, au moins tu bouges. Ça va? Oula, on se calme, si vous êtes comme ça, Lily Rose, elle va jamais revenir. Hein. Moi j'ai peur, moi je croyais que c'était un petit ver de terre à la base. Ah non, c'est un vrai serpent. Bon, écoutez, vu que vous êtes médecin, vous y connaissez peut-être un peu mieux en serpent. Prenez la cage, essayez de... Bon, vous l'enfermez et vous le ramenez dans votre laboratoire. Vous le ramenez. Tiens, Valentin, bois ça, ça ira mieux. Essaye de lui faire boire ça en attendant. Oui, mais je pense que oui, une fois qu'il aura fini tout ça, ça ira mieux. Bon, allez-y. Oh là là, il dort, il est en train de dormir. Allez vous en occuper. Voilà. Bon, j'espère que le médecin va pas se faire mordre, sinon c'est une catastrophe. Moi, il faut que je m'occupe de Valentin, parce que là, ça va un peu mieux, mais pas trop en même temps, là. Allez, petit serpent, tu viens. Allez, viens ici. Valentin, qu'est-ce que tu fais, là? Maintenant, il se comporte comme un serpent, le pauvre. J'espère que le médecin va réussir à le faire tourner. On se calme. Mais t'es pas un serpent. Oui, attends, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je me suis fait mordre aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes fait mordre? Oh là 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 là. Oh non, mais vous allez pas tous devenir fous quand même. On se calme. Oh là. Il faut que je parte d'ici. Oh là là, ils se sont tous fait mordre. J'espère que Lily Rose, ça va. Ah, il est là. Qu'est-ce que je vais faire? Faut que je m'enfuie. J'espère qu'il va pas avoir les chats. Parce que là, ça serait une catastrophe si les chats deviennent des serpents. Ils vont se mettre à nous mordre aussi. Lily Rose, il faut qu'on s'enfuie de la maison. Lily, je vais devoir l'appeler. Ça a pas l'air d'aller là, j'ai pas l'impression qu'elle soit connectée. Lily Rose! Bon, écoutez, je sais pas ce qui va se passer avec ce serpent, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et surtout, cliquez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran. Regardez une autre de nos vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. À la prochaine! Ciao! Ah, je me suis fait mordre!